Je pense que ça veut dire non. Roule tout de suite. Accrochez-vous. Continue, je crois qu'il veut manger le camping-car. Je pensais qu'il voulait de l'énergie. Pourquoi il est après nous? La batterie. Il veut se transformer en tempête électrique. Et la batterie de ce vieux véhicule est super costaud. Tout le monde s'accroche bien. Ouais, je suis à nouveau chargé. Je sais pas quel alien choisir, aucun d'eux ne peut frapper le brouillard. Frapper les choses, moi, c'est mon truc. Bon, réfléchissons. Le brouillard est un amas de gouttelettes d'eau, d'accord? Oh, Lancelot! Lancelot peut saturer les gouttelettes d'eau et les rendre trop lourdes pour faire du brouillard. Je comprends pas vraiment, mais c'est toi qui as de bonnes notes en science, alors. Nous deux, brouillard. Tu crois qu'il va supporter une grosse pluie? Il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. C'est exactement ce que je voulais. Je suis un génie. Quoi? Non, c'est moi qui suis un génie. Ah, on dirait que tu es encore un peu slap. Oui. Éclat brouillé. Salut, brouillard. Désolé qu'on soit brouillé. Tu comprends? Brouillé, brouillard. Contente-toi de le battre. Essaie de trouver un meilleur jeu de mots avec brouillard. Ah, j'ai plaqué trop ton bleu. Pourquoi? Le brouillard entre dans le camping-car. Sors de la sorte. Oh non, le pare-brise, Ben! Détrempe-moi cette chose en vitesse! Détrempé? Non! Dégivré! C'est ça! Réfléchis vite, Gwen! Ben doit utiliser plus de chaleur pour dissiper toute la condensation! Je ne laisserai pas faire! Gwen, grand-père! Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir arroser ce nuage! Chauffe-le! Utilise la chaleur! J'ai déjà essayé une Inferno! Tu te souviens? Je ne parle pas d'Inferno, je pense à la source de toute chaleur. Ah, je crois que j'ai compris. Je lance le tout pour le tout. Le soleil. Oui. Tu as vu cette lumière, Monsieur Brouillard, Mac Bouillon, hein? On avait juste besoin de l'aide de ce magnifique soleil. Je suis fier de vous deux pour avoir trouvé comment arrêter cette drôle de chose. Peut-être que la nature ne te déteste pas autant que tu l'imagines. C'est possible, grand-père. Et regardez ça, le monument de Four Corners, c'est à la prochaine sortie. On va arriver à temps. Exaltant. Dis-moi, ça fait quoi d'avoir les pieds sur quatre états à la fois? C'est quoi le contraire d'exaltant? Mortel? C'est ça, ouais. Je suis dans l'Utah, et là au Colorado, au Nouveau-Mexique, en Arizona.